Le métaverse n'existe pas. Ça ne marchera pas. C'est has-been. Ah bon? Depuis quand le métaverse existe en fait? 10 ans? 30 ans? Laissez-moi vous donner un petit coup de main. Depuis plus de 30 000 ans, l'essence même du métaverse en tant que monde virtuel, monde fictif, est ancrée dans la nature humaine depuis des millénaires. C'est en fait une partie de notre mémoire atavique. Depuis que l'homme est sur Terre, il a toujours rêvé, créé, inventé, en se racontant des histoires de fiction pour justement essayer de vivre ses rêves. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre l'Iliade d'Homère et le dernier Marvel. Uniquement la technique qui a évolué. Qui a déjà vu les premiers films de Méliès avec ce fameux train qui rentre en gare? Aujourd'hui, franchement, entre nous, c'est moche, c'est pixelisé et ne dure que quelques secondes. Enfin bref, on se raconte des histoires, on lit des livres, on regarde des séries Netflix. Je vous épargne également tous les autres moyens illégaux ou très nocifs pour justement quoi? Échapper à la réalité. J'ai une autre petite question. Est-ce que je suis la seule à rêver ici? C'est quoi vraiment un rêve? En fait, vous vivez tout simplement une expérience fictive. Et il n'y a pas plus virtuel que ça. L'être humain a toujours cherché à s'évader, se libérer de son quotidien pour accéder à son propre monde idéal. On a tous un monde idéal. Mon environnement virtuel aujourd'hui, c'est ma télé, mon ordinateur, mon téléphone. Demain, en 2024, ce sera le métaverse. Encore une fois, la technique, elle aura évolué, mais au fond, ça reste toujours la même chose. Nous avons besoin de nous distraire, de sortir de nos normes. La fiction et le rêve sont nécessaires à la survie de l'humanité. Alors ceux qui disent « Non, le métavers, ça ne marchera pas, ça n'existe pas. » Comment leur dire gentiment en fait qu'ils n'ont tout simplement rien compris à la nature humaine, tout simplement. You have a dream, make it real. Si vous pensez que c'est demain, c'est maintenant. Alors retournons tous au travail et construisons le métaverse qui claque.